mon projet pour le jeu de paume. J'ai conçu ce couloir, ces fenêtres, qui sont des points de vue sur des objets, des films, des peintures. Et il y a un parallèle entre cette idée de l'observation que l'on retrouve dans différents films et le dispositif créé pour l'exposition. C'est un dispositif qui s'étend tout au long de l'espace. De manière générale, dans mon travail, j'aime brouiller le statut des images ou des objets que je présente. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse, c'est de produire un certain flottement et de ne pas pouvoir, pour le spectateur, tout de suite comprendre de quelle temporalité, de quelle époque et de quelle nature sont les objets qu'il découvre. De manière déjà volontaire, sont mélangés des objets et des sculptures qui ont été empruntés à certains musées, des livres anciens, dont celui sur Tycho Brahe ou celui sur l'art de la guerre au Moyen-Âge, ont été empruntés également. Mais il y a d'autres objets qui ont été fabriqués, entre guillemets, et j'aime mélanger ces différents objets, ces différentes natures. Donc on retrouve à la fois un rapport à la peinture du XVIe siècle, il y a à la fois des choses qui sont beaucoup plus, on va dire, contemporaines, comme ce film où on équipe ce faucon d'une caméra miniature pour le transformer en un outil d'espionnage. J'ai fait ce film Silent Movie pour Manifesta il y a quelques années, donc une exposition qui avait lieu dans le sud de l'Espagne, à Cartagena. Et j'ai découvert ce dispositif complètement paranoïaque de surveillance, d'architecture de surveillance, qui existe depuis le XVIIe siècle dans cette ville qui a toujours été très militaire, qui a toujours été une espèce de poste de surveillance dirigé vers un ennemi potentiel, vers l'Afrique, et les ennemis se sont succédés entre les Arabes, les pirates, et puis après il y a aussi eu l'histoire récente. Ce qui m'a intéressé de capter, encore une fois, là on parle d'une espèce de monde invisible, c'est de capter un petit peu les fantômes de ces endroits. Et disons qu'avec le film Uraniborg, avec aussi le film On Air avec ce faucon, il y a une espèce de parallèle entre tous les points de vue dans l'exposition, tous ces endroits où on se retrouve en train d'observer à travers ces fenêtres et les architectures que l'on retrouve dans Silent Movie, en fait, voilà, qui sont ces installations militaires dont on a parlé. Donc dans la salle In Silencio, on a un film qui s'appelle Les oiseaux, où on voit des nuées d'étourneaux au-dessus du Vatican à Rome, au coucher du soleil. Ces oiseaux ont une histoire. Dans l'Antiquité, on utilisait déjà ces nuées comme un moyen divinatoire. Voilà, il y avait déjà une espèce de fascination comme pour un miracle, en fait. À côté de ce film, il y a une série de photos que j'ai trouvées dans les archives de l'Observatoire du Vatican, où on voit des religieux à côté de la lunette astronomique de Specola Vaticana, qui est donc l'Observatoire du Vatican, situé à Castel Gandolfo, qui est la résidence d'été du pape. D'un côté, voilà, on a quelque chose d'assez mystique, d'assez religieux, et d'autre côté, cette recherche scientifique qui a toujours intéressé le Vatican, et le néon que l'on voit dans la salle d'à côté, qui reprend en fait une constellation dessinée par Galilée en 1610, traite un petit peu de cette problématique, en fait, et de la réhabilitation de Galilée il y a quelques années par le Vatican. À côté de ce néon, on peut voir un film qui s'appelle « La construction de l'histoire » où on assiste de manière très directe aux funérailles de Jean-Paul II.
Et on voit très bien dans le film comment ce moment est scénarisé, mis en scène, construit. Tous les chefs religieux sont là. Donc il y a à la fois un moment historique, mais à la fois la mise en relation entre des éléments qui sont pas du tout de la même nature. Ces images ont aussi une force d'évocation. J'essaye de mettre en place une forme de projets qui à chaque fois vont essayer de détecter, de capter une existence et des phénomènes qui ne sont pas visibles. Alors il n'y a rien d'ésotérique, simplement en fait revenir sur les lieux de ces Bateria en Espagne, revenir sur ce jardin sacré du XVIe siècle, revenir sur cette île où finalement l'objet de la recherche, ce château d'Uraniborg, qui n'existe plus parce qu'il a été détruit en réalité dans l'année qui a suivi l'expulsion de Tycho Brahe de cette île. Et je pense que c'est ce qu'on peut voir au travers de ce couloir, par ces fenêtres qui nous donneraient l'accès à un autre temps, ces fenêtres qui forment des cadres sur des films, mais derrière lesquels on peut passer pour revoir le film d'un autre point de vue. Donc cette idée de passer derrière l'image, de passer de l'autre côté, m'intéresse beaucoup.